Que Dieu vous bénisse. Ouf. Voilà, bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bonjour sur Facebook, bonjour sur TikTok. Bonjour à SB Tino. Moi, Serge Onana. Bonjour à Amos Charles Ikome Gange. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Bonjour à Févor 14. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Steve, à Sylvie Masso. Sylvie Masso, bonjour à Passy Langmia. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Bonjour à Gourmandise de Cheyenne, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, donc par la grâce du Seigneur, nous sommes dans la ville de Douala déjà pour la grande campagne qui doit avoir lieu ce soir. À partir de 17h en Dogbon, derrière l'immeuble Camelet. Pour ceux qui sont là pour la première fois et qui ne sont pas au courant de la grande campagne de Douala, je suis déjà dans la ville de Douala et nous allons lancer les hostilités ce soir à partir de 17h. C'est en Dogbon, derrière l'immeuble Camelet, notre grande chapelle là-bas. Pour ceux qui ne pourront pas être connectés en direct, ils pourront. Ceux qui ne pourront pas être là personnellement, ils pourraient se connecter en direct et suivre le direct, quel que soit leur pays, quelle que soit la nation où ils suivront. Le Seigneur les bénira, le Seigneur les surprendra certainement et leur fera grâce. Bonjour à mon fils, l'apôtre Patrick Canaan, que Dieu te bénisse. Bonjour à Weldawel. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Donc, par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes dans la ville de Douala pour 3 jours de tension prophétique. Et je serai à Paris pour 3 jours, pour une nuit de turbulence prophétique, accompagné de mon frère d'Alliance, le révérend évangéliste J.P. Makanzu. Nous serons en France, à Paris déjà. Je vous donne déjà la salle. La salle, ce sera les salons du Grand Paris. Les salons du Grand Paris. Voilà où la nuit de prière du vendredi 27 novembre, hein, octobre se passera. Ce sera en octobre, donc dans 3 semaines environ. Donc, nous serons, ça se passera au niveau de les salons du Grand Paris, les salons du Grand Paris, 8e rue Serpente, à Champigny, sur Marne, 94-500, voilà, donc 8 rue Serpente, à Champigny, sur Marne, voilà, vous avez cette adresse-là, et après cela, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, après le programme, nous aurons une nuit de prière, et après la nuit de prière, j'aurai la conférence avec tous les bienfaiteurs, les bâtisseurs du royaume de Christ, tous ceux qui sont des partenaires financiers en France, là-bas. On aura une soirée ensemble. Et je vais prier sur chacun. Je recevrai chacun. On va parler ensemble et prier. Après cela, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'irai à Lille rejoindre mon frère bien-aimé, l'apôtre évangéliste J.P. Makanzu, où nous allons passer toute une semaine de travail dur. Il y aura une turbulence prophétique en Europe telle qu'il n'y en a jamais eu. Dieu se manifestera puissamment là-bas. Dieu se glorifiera. Donc je vous encourage à être présent massivement. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit.
dont je serai là, l'ouragan prophétique arrive sur Paris. Et donc, quand je vais finir sur Paris, assisté par mon frère bien-aimé, l'évangéliste J.P. Makanzo, nous allons retourner à Lille, chez lui, à ACCR, où je vais rendre ministère pendant toute une semaine. Donc, nous serons là chez lui. Déjà, il faut dire que le 27, le 28, il sera à Paris le 27, ce sera pour la nuit de prière le 28. Ce sera ma conférence avec tous les partenaires financiers de ce ministère. Et après le 28, le 29, dimanche le 29, je vais faire culte à ACCR, du côté de Lille, avec mon frère bien-aimé. De vous comprendre, ACCR, c'est Assemblée chrétienne Christ ressuscité, dont le fondateur est l'évangéliste J.P. Makanzo, que Dieu utilise puissamment, vous voyez. Des hommes comme lui sont des dons pour l'Église. C'est des patrimoines qu'il faut préserver, il faut protéger. Je bénis Dieu pour cet homme, je bénis Dieu pour sa femme, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez, se marier n'est pas un problème, mais trouver la bonne personne, c'est ça un don de Dieu. Et Dieu l'a béni avec une femme extraordinaire. Donc nous serons là-bas et toute la semaine, je serai avec eux. Donc, ça veut dire que le 27 et le 28, je serai à Paris. Le 29, je serai à Lille. Le 29, le 30, le 31, le 1er, le 2. À partir du 2, je pense, le 2. Le 2 là, je pense que le 2 c'est jeudi. Donc le 2, le 3, le 4, le 5. Je serai, on aura un programme de 3 à 4 jours du côté de Lille. Donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La semaine du 2 là, du 2 jusqu'au 5. 2, 3, 4, 5, 6, du 2 au 6, quelque chose comme ça. Et le 6, le 7, le 8, à partir du 9, du 9 au 13, je serai en Belgique. Je serai en Belgique par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dans l'assemblée de notre papa, le père spirituel de l'apôtre évangéliste J.P. Makanzo. Et je serai là-bas, on va travailler aussi en Belgique. Donc ceux qui sont en Belgique, on leur rendra visite. Dieu se manifestera. Dans tous les cas, je crois qu'une nouvelle saison est en train de finir. Dieu est en train de vouloir surprendre quelqu'un en Europe là-bas. Pendant des années, depuis 2019, je ne suis plus allé en Europe. Et beaucoup ont pleuré, beaucoup ont prié, beaucoup ont même jeûné. Que le Seigneur puisse nous ouvrir cette porte-là. Je pense que le Seigneur nous a fait grâce. Donc nous serons là. Et pour la Belgique, je vous donnerai exactement où je serai. Donc c'est pour moi une grande joie de retrouver mes enfants spirituels là-bas. Et de visiter aussi l'assemblée de mon frère bien-aimé. Donc voilà, que chacun se prépare. Ce sera très sérieux. C'est très sérieux ce qui va se passer là-bas. Très sérieux. Vous savez que l'évangéliste Makanzo, c'est quelqu'un que Dieu a oint terriblement pour semer la terreur dans le camp de l'ennemi avec des délivrances, des miracles crus. Quelqu'un qui a une notion brute. Et c'est aussi un prophète redoutable. Et moi aussi, en même temps, avec les grâces que le Seigneur m'a accordées dans divers domaines spirituels, dans tous les cas, le manteau des prophètes sera secoué sur la France et sur la Belgique. Dieu se manifestera. Ce sera pour moi une grande occasion de joie de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Des révélations profondes vous seront données dans tous les cas. Tous ceux qui veulent consulter la parole de l'Éternel, vous aurez cette occasion-là. Vous aurez l'occasion de consulter Dieu. Et surtout avec mes partenaires, on aura aussi un temps extraordinaire d'intimité où j'écouterai chacun de vous pour vous donner des orientations prophétiques pour ceux qui sont à la croisée des chemins, qui ont besoin de la parole de l'Éternel dans leur vie. Et je voudrais tout simplement que vous soyez bien préparés à cela, que la gloire de Dieu soit sur vous. Je prie, vous savez, le ministère de Jésus-Christ était soutenu par un groupe de femmes et par des hommes aussi. Est-ce possible de se faire baptiser à Paris? On le verra, c'est possible, bien entendu, on le verra. Donc, vous voyez, je vous exhorte, bien-aimés. Moi, je prends la route, je quitte le Cameroun pour aller en France. Parce que vous êtes en Europe, quel que soit le coin où vous êtes en Europe, retrouvons-nous
ce vendredi 27 à partir de 21h au niveau des salons, les salons du Grand Paris, 8 rue Serpente à Champigny-sur-Marne, 94-500. Donc retrouvons-nous là-bas par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous serons là, ça sera extraordinaire. Et le samedi, ce sera une rencontre avec tous les partenaires. Donc préparez-vous à soutenir le ministère de façon spéciale. Vraiment, je m'attends à ce que vous supprimiez le Dieu dont je suis le serviteur. L'œuvre de Dieu avance grâce aux partenaires. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y avait un groupe de femmes qui accompagnait Jésus le soutenant financièrement et qui avait aussi Joseph d'Arimathée qui a sauvé le corps de Jésus. Sinon, Jésus aurait été enterré dans une tombe commune. Mais ces gens ont dit, si moi je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas docteur, je ne suis pas pasteur, au moins Dieu m'a béni et je veux être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Ouais. Dieu se manifestera de façon grande. Et ceux qui sont malades, qui ont des oppressions démoniaques, de sorcellerie, etc., ne vous en faites pas. Vous connaissez vous-même déjà ce que Dieu est capable de faire à travers le moindre et le vermisseau que je suis. Quel que soit votre problème, le Seigneur vous délivrera. Vous savez, des gens qui ont des problèmes difficiles, des cas compliqués, venez avec eux. Venez avec eux, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le 27, vendredi 27, Dieu les bénira. Au 8 rue Serpente, à Champigny-sur-Marne, 94-500, les salons du Grand Paris. Donc ne manque pas, quel que soit ton problème, déception sentimentale, tu sens que tu es attaché, envoûté, ta destinée a été dérobée, etc. Vous savez vous-même déjà la fidélité de Dieu dans le manteau qu'il m'a donné. Dieu te délivrera, je peux te le rassurer. Quel que soit ton problème, le Seigneur se glorifiera puissamment. Et ta vie connaîtra un essor extraordinaire, une délivrance terrible en fait. Ta vie sera libérée de toute oppression démoniaque dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc, s'il vous plaît, je voudrais tout simplement vous motiver à être très très nombreux. Mobilisons du côté de Paris, à Paris et en Belgique aussi, mobilisons-nous. Mais ça n'empêche pas que ceux de la Belgique puissent me rejoindre du côté de la France en fait. Et on pourra ensemble passer le bon moment pour avoir la double portion dans tous les cas. Tu peux même faire Paris, tu peux aussi faire Lille et puis tu vas en Belgique en même temps. Donc pour ceux qui veulent profiter au maximum des diverses grâces que j'apporte, la Bible nous appelle des oikonomos, c'est-à-dire des dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Donc nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité. J'ai hâte de retrouver tous mes bien-aimés dans le Seigneur, tous mes fils et toutes mes filles, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont dans les îles, îles Maurice, partout, dans toutes les îles. Un seul lieu, un seul lieu d'attraction, nous nous retrouvons à Paris pour la grande nuit, pour la grande turbulence prophétique, la nuit de la turbulence prophétique. Ce vendredi 27, ce sera vendredi le 27 octobre, vendredi 27 octobre, dans les salons du Grand Paris, les salons du Grand Paris, 8 rue Serpente à Champigny-sur-Marne, 94-500. Donc soyons très très nombreux s'il vous plaît. Quel que soit votre cas, votre problème, votre situation, n'ayez pas peur. Le Seigneur est bon, il est fidèle, il manifestera sa grâce et sa loyauté envers vous. Toi qui as pleuré longtemps, qui as longtemps marché sans solution, tu es monté, tu es descendu, tu n'as pas eu de solution à ton problème. Dans tous les cas, je viens avec la clé. La Bible dit, je mettrai sur son épaule la clé de David. Il ouvrira, personne ne fermera, il fermera et personne n'ouvrira. Dieu se manifestera puissamment, je peux vous rassurer. Pour ceux qui veulent consulter Dieu, dans tous les cas, tous ceux qui veulent consulter la parole de l'Éternel, un prophète vient. Lorsque Dieu envoie un prophète, c'est parce qu'il veut résoudre des problèmes. C'est pour toi que Dieu m'envoie à Paris. C'est pour toi que je serai à Lille, à ACCR. C'est pour toi que je serai en Belgique. Et c'est pour toi que nous passerons tout ce moment agréable dans sa présence. Dieu va te bénir. Passe l'annonce autour de toi. Dit que le prophète Ferdinand Kane sera là pour la nuit, la turbulence prophétique. La nuit de turbulence prophétique, ce vendredi 27 octobre, de 21h, de 17h même, 17h jusqu'à l'aube. Ce sera redoutable. Donc venez avec les malades, toutes les situations difficiles, on va prier. Toi-même, tu verras ce que Dieu fera sur place. Toi-même, tu le verras.
Et je veux juste t'encourager aussi à être un partenaire. Sois un partenaire. Parce qu'il y aura une impartition, un service d'impartition pour les partenaires. Où je vais les joindre. Je leur donnerai un à un. On va donner des indications, des orientations prophétiques à chacun. Chacun aura la réponse à ces questions. Donc, tu veux débloquer le prochain niveau de miracle financier dans ta vie. Tu peux être déjà partenaire. Et méfiez-vous. Il y a des arnaqueurs qui ont fait des faux comptes en mon nom. Qui vont vous écrire pour vous demander l'argent pour le programme de Paris, pour la campagne de Paris. Non, non. Ne donnez l'argent à personne. Je ne demande pas l'argent en ligne. Sur Facebook ou bien sur Messenger. Donc, ce sont des arnaqueurs, en fait. Méfiez-vous. Quiconque vous écrit pour demander l'argent, une contribution pour mon voyage en Europe, c'est un bandit. Ne donnez pas. Ne donnez pas 5 francs à personne. Ceux qui vous contacteront pour parler de l'huile de faveur, tout cela, ne donnez à personne. Donc, ce vendredi, nous aurons une consécration des familles. Ce sera un culte familial. Consécration des familles à l'Éternel, notre Dieu. Donc, chaque famille sera ouinte. Chaque famille devra avoir sa bouteille d'huile de faveur. L'huile de faveur sera disponible pendant cette nuit de prière. Que chacun ait sa bouteille d'huile de faveur. Voilà, ta bouteille d'huile de faveur. Pour les partenaires, quel est le montant minimum pour travailler avec vous? Bon, je pense qu'on va en parler sur place. Hein. Pour le moment, je pense que le plus important, c'est l'organisation déjà. Mais je pense que Dieu veut t'amener dans une autre dimension financière. Je viens là pour décaler, ça veut dire pour débloquer le prochain niveau financier, un miracle financier terrible dans ta vie. Il y aura d'abord des fortes démonstrations prophétiques là-bas en France pour que vous compreniez quel Dieu nous servons. Et le Seigneur te bénira. Donc prépare-toi avec ta semence et dis, Seigneur, l'homme de Dieu ne viendra pas et ne retournera pas comme ça. Je voudrais être participant de son ministère, le ministère que tu lui as donné. Seigneur, je vais être un Joseph d'Arimathée. Et puis, Dieu te bénira certainement. Donc, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Il est souverain, notre Dieu. Et cette nuit sera inoubliable dans ta vie et dans l'histoire de ta famille tout entière. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus. Pour ceux qui sont à Douala, je suis dans la ville de Douala. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h. À Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlé. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom.